Bon, alors là, je ne sais pas si on voit, donc c'est un des salons, il y a une, disons, il y a une succession de petits salons, voilà, qui nous conduisent au bar. Et dans ces salons, ben, il peut y avoir, d'abord, il y a toujours de jolis tableaux. En face, quand on est dans le salon, on voit cet accrochage de tableaux qu'on est allé voir, je ne sais pas combien de fois, lorsqu'on visitait le Riad et que nous étions à La Palmeraie, hein, Marina. Et là, on se dit, ben voilà, on est maintenant dans Riyad et on n'a pas besoin de visiter la Palmeraie parce qu'on la connaît bien. Donc ici, un autre salon, et ces salons-là, il y a une cheminée. Et le soir, on peut prendre un verre, c'est très agréable, avec le feu de cheminée. Parce que quand même, les soirées et les matinées sont assez fraîches. Voilà. Et quand on quitte ces salons, il y en a encore un autre. Je crois que c'est dans celui-là où il y a un joli tableau. Non, je pense pas. C'était avant. Voilà, toujours cette succession de salons. Très, très bien décorés. Avec, voilà, c'est des tableaux qui sont superbes. C'est des vrais tableaux. Tout ça avec ces beaux rideaux. Marina qui est dans le fond. Voilà. Et puis, en face de chacun de ces petits salons, il y a cet accrochage de toiles orientales que vous voyez peut-être. Si, si, on voit bien, je pense. Voilà. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi, voilà, avec des vieux cadres. Et là, donc le dernier salon, et là, on va déboucher sur le bar, avec des gens qui prennent leur petit déjeuner encore, donc je ne vais pas les déranger, mais on doit les entendre. Là, alors Christine va dire qu'il n'y a personne, mais non, les gens sont occupés à droite et à gauche. Voilà le bar, et puis en face du bar, eh bien, un piano, et là, il y a la piscine de Riyad. Puisque je suis lancé, je vais y aller. Voilà, c'est un plan séquence incroyable, je vais devenir le roi des plans séquences. Ici, avec Eliane, un soir, on a pris une coupe de champagne l'année dernière, quand nous sommes venus. Et puis voilà, la piscine de Riyad. Superbe. Entre parenthèses, elle est chauffée à 28 degrés. C'est hallucinant. Et on termine, comme la vidéo précédente, par un plan du ciel Marrakechi. Et vous remarquerez que dans ce ciel, il n'y a absolument aucun nuage. Je vous dis, ce village, Marrakech, c'est le paradis.